Je suis Clément Bosredon, le directeur de l'association Cap Solidaire qui est basée à Langon et qui est une association autour de la promotion et du développement de l'économie sociale et solidaire, en particulier en milieu rural puisque nous agissons au niveau du Grand Sud Gironde. Cap Solidaire, c'est avant tout un espace de construction collective pour les acteurs et les initiatives de notre territoire qui entendent répondre à l'enjeu de mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, c'est par exemple mieux se déplacer. Et donc, on va avoir des accompagnements à la mobilité sur notre territoire pour les personnes en insertion ou les personnes âgées, par exemple. Mieux vivre ensemble pour les jeunes, c'est créer des perspectives pour leur avenir. Comment ils peuvent s'impliquer localement avec le service civique tout en construisant leur avenir. Donc, vous voyez, on propose des réponses un peu concrètes et quotidiennes aux préoccupations des habitants du Sud Gironde pour ce qui nous concerne. Un autre exemple, c'est en termes de résilience territoriale, on en parle souvent, autour des enjeux de l'alimentation locale. Comment on peut avoir des produits plus locaux, plus biologiques dans nos cantines et ailleurs? Comment on lutte contre le gaspillage alimentaire? Donc la force de Cap Solidaire, c'est de fédérer des acteurs différents, mais qui sont sur le même écosystème pour construire des lendemains qui soient plus solidaires, plus résilients, plus inclusifs sur notre territoire. Vous pouvez nous retrouver très simplement sur notre site internet capsolidaire.org, également sur Facebook Cap Solidaire pour suivre nos actualités. À partir du site internet, vous pourrez également nous contacter, nous solliciter, adhérer, avec l'ambition que nous avons de toujours être plus nombreux pour construire notre territoire du Sud Gironde.